Qu'est-ce que je vais faire pour la Saint-Valentin? C'est une bonne question, je ne le sais pas encore. Forcément, je serai avec mon chéri. Je pense que je serai aussi, on sera en famille avec ma fille. Je pense qu'on sera tous les trois. Parce que la Saint-Valentin, c'est vrai que c'est pour les amoureux, mais notre fille, c'est vraiment le symbole aussi de notre amour. Donc je pense qu'on sera tous les trois. Je pense pas qu'on fasse un grand truc. Je pense que voilà, on se fera plaisir tous les trois, un bon moment en famille, comme d'habitude, comme dans la vie de tous les jours, mais avec le petit cadeau en plus, quoi. C'est tout. Ah non, le petit cadeau en plus, non, c'est pas le deuxième enfant, c'est pas en route pour tout de suite. Non, non, je pense que voilà, s'il y en a un deuxième, on va attendre. On va déjà attendre, elle a à peine 2 ans. Voilà, faut quand même, voilà, il y a quand même une éducation à faire. Voilà, j'ai pas envie juste de faire des enfants pour faire des enfants. Non, je veux quand même que ma fille, voilà, soit quand même bien élevée, que bien l'éduquer. Et puis après, bah voilà, si j'ai le temps et si parce que je suis pas la seule à décider si on en a envie tous les deux. Moi oui, mais pour l'instant lui non. En avoir un deuxième, oui, mais voilà, j'ai tout mon temps. Combien de montagnes de pierre auras-tu cassé? À tous les amoureux et même à ceux qui ne le sont pas, je vous souhaite à tous une très très bonne Saint-Valentin, remplie d'amour, et je vous fais plein de gros bisous. Condamné. Dis-moi.